Des salles de classe bien rangées, des responsables d'école déjà à leur poste, à quelques jours de la rentrée universitaire prévue le 18 octobre 2021, les établissements privés de l'enseignement supérieur se préparent. Ici, l'on donne des consignes, là, ce sont des séances de travail. Nous avons bien commencé ici déjà. Au niveau de la politique générale, nous avons essayé de faire des propositions qui ont été adoptées. Et vraiment, nous pensons donner le meilleur à nos étudiants cette année, Inch'Allah. Tout comme les établissements de l'enseignement supérieur, les étudiants aussi se préparent pour la rentrée académique 2021-2022. Étudiante en gestion commerciale, Chimène cherche des renseignements pour savoir la conduite à tenir dans sa formation. Au groupe ESCAM, dans la commune de Cocody à Abidjan, où elle se rend comme plusieurs autres étudiants, elle est orientée vers un service dédié. Je suis là pour les renseignements concernant l'école ESCAM. Apparemment, il y a de bons enseignants. Je pense que l'année scolaire sera parfaite. Au groupe HEC, une autre grande école située à quelques encablures de là, les préparatifs de la rentrée universitaire vont aussi bon train. Là également, des inscriptions se font. Il faut dire que c'est ma quatrième année à HEC. Je suis là même pour l'inscription avec madame la directrice. Je pense que tout va bien se passer. Le directeur général de cet établissement dit être prêt pour le rendez-vous du 18 octobre. Les étudiants viennent aux inscriptions et je pense pouvoir commencer dès le 18 octobre le cours à HEC. Après le primaire et le secondaire le 13 septembre 2021, le 18 octobre, la boucle sera bouclée.